Quand il y a un gros sac de produits finis, il faut y aller. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler produits finis puisque mon sac est blindé. Et comme j'ai fait la salle de bain, eh ben j'ai tout mis dans un sac. Et alors, on y va, on attaque. C'est une brume tonifiante, soin visage et corps de la marque Christian Lénard. C'est une eau aux extraits de rose. Moi, j'ai adoré. Ça sent vraiment la rose, la rose, la rose. Ça sent pas la rose de mémé, comme beaucoup disent. J'aime bien parce que c'est un flacon en pchit. Donc ça, c'est hyper cool. J'en ai encore deux autres. J'ai celle... aux fruits rouges et celle à la fleur d'oranger. Franchement, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée pour nettoyer un petit peu le matin. J'en mettais sur un petit coton et je nettoyais les yeux, la peau, etc. après la douche. Et franchement, j'ai aimé, j'ai adoré. Je l'utilise franchement plus sur le visage que sur le corps. Ensuite, j'ai fini de la marque Mixa Expert Peau Sensible, une eau micellaire physiologique. C'est dur à dire ce truc. Physiologique, visage et yeux. Panthénol apaisant sans parfum, peau très sensible et réactive. Nettoie, démaquille et apaise. Ben franchement, j'ai adoré ce démaquillant, je le trouvais très très bien. Donc voilà, celui-ci, je serais susceptible de le racheter. Franchement, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai fini une mousse de douche, l'extrait naturel de rhubarbe et de rose pour un effet peau douce de la marque U, donc by U comme ça. Alors, il fait vraiment de la mousse au début, après ça vous fait plus un gel, il y a plein de cheveux dessus, ça vous fait plus un gel que vous mettez dans votre main et qui devient mousse quand vous passez sur le corps. Franchement, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympa, c'est pas très très cher. Donc ouais, pourquoi pas en racheter, il y a d'autres odeurs. Donc ensuite, j'ai fini de la marque Mixa Expert Peau Sensible, une eau micellaire physiologique, c'est dur à dire ce truc, physiologique, visage et yeux. Panthénol apaisant sans parfum, peau très sensible et réactive, nettoie, démaquille et apaise. Ben, franchement, j'ai adoré ce démaquillant, je le trouvais très très bien. Donc voilà, celui-ci, je serais susceptible de le racheter. Franchement, ensuite, j'ai un combo, ils sont dégueulasses parce qu'ils étaient dans la douche, hein. Vive le calcaire, chez moi. Un combo qui m'avait été envoyé par Octoly, je crois. Ouais, c'était Octoly et Gouiran Beauté, si mes souvenirs sont bons. Si c'est pas ça, je suis désolée. C'est la marque Osmo. Donc, il y avait un shampoing et un conditionneur et c'est pour les cheveux, shampoing volume pour cheveux plats et sans vie, et le conditionneur pareil, la même gamme. Franchement, ça sentait très bon, c'était plutôt pas mal. Par contre, je trouvais qu'ils étaient très très bien la première journée, en fait. La première journée vous avez bien du volume, et les autres jours, parce que maintenant je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, les autres jours le volume est un peu retombé. Mais sinon ça sent très bon, ça lave très bien, donc plutôt pas mal. Ensuite, un gros flaconnette, une grosse flaconnette, oupla, réflexe. Donc c'est du savon liquide de Marseille à la fleur d'oranger, les petits bains de Provence, donc c'est du Made in France. C'est un gros contenant, moi je l'utilisais quand j'avais des petits soucis de peau, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc j'avais en parapharmacie, c'était dans les 3 ou 4 euros ce truc là, c'était énorme hein, pour un 500 ml, un litre, excusez-moi. Il a fini dans le pousse-mousse pour les mains, ça sent très très bon, c'est plutôt pas mal, et moi je l'aimais bien quand j'avais mes soucis de peau, c'était plutôt bien. Donc voilà, ça je rachèterai pas parce que c'est trop gros contenant, mais pour les mains c'est très bien. Ensuite, un eau micellaire visage et yeux, tout type de peau à l'extrait de myrtille de la marque U, qui se présente comme ça. Alors ça, franchement, j'ai pas aimé du tout. Alors je suis désolée pour la luminosité qui vient d'en dessous, mais il fait soleil chez moi, donc voilà, voilà. J'ai pas aimé du tout, ça pique vachement les yeux. Pourtant, je l'avais déjà utilisé il y a quelques temps, je l'avais bien aimé. Et ben franchement, là, j'avais acheté ça parce que je suis beaucoup partie au mois d'avril et mai. Et je voulais un petit flacon pour emmener quand je partais. Et franchement, ça me piquait les yeux, mais un truc de fou. Donc ça, je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Ensuite, un soin... pour les cheveux de la marque Dove, un shampoing pour cheveux fins et plats, c'est un soin soufflé hydratant, donc c'est oxygène hydratation, c'est celui-ci. Voilà, j'adore son odeur, il est vraiment très très bien, j'aime beaucoup, je vais le mettre par ici, j'aime beaucoup, franchement ça je peux racheter sans problème, ça vous le fait des jolis cheveux et ça vous donne du volume. Alors le shampoing de la marque Sayos que j'avais eu chez Nose, l'après-shampoing n'est pas fini, donc il est encore dans ma douche. Celui-ci c'est le shampoing Shine Seal, donc c'est un shampoing qui rend les cheveux brillants. Franchement je l'aime beaucoup, il est très bien, il sent bon, il lave bien les cheveux, il fait vraiment une super brillance à vos cheveux. Donc ça je rachèterai sans problème si j'en retrouve. Du gel douche de chez Yves Rocher, le pamplemousse teint bain douche énergisant comme ceci, il est génial, je rachèterai sans problème, ça sent trop bon le matin, ça vous donne un coup de peps, j'adore.
Ensuite, j'ai terminé mon Nidra Genius Aloe Water de chez L'Oréal. C'est celui-ci. Il en reste au fond, mais j'arrive pas à l'avoir avec la pompe. Et comme le tube est scellé, je ne peux pas l'avoir. Ça, j'adore pour l'été. C'est vraiment top. Franchement, ça vous fait vraiment une peau très hydratée et tout. Je l'ai fini là. Je l'avais mis de côté à la fin de l'été et je l'ai ressorti là. Franchement, j'ai adoré. Je l'adore. Il est vraiment génial. Donc ça, si j'ai un soin pour l'été à acheter, ce sera forcément celui-là en crème de jour. Il est vraiment génial. Ensuite, c'est plein de poussière. Un gel douche, le petit Olivier crème de douche pamplemousse comme ceci. Il est vraiment bien, pareil je l'avais eu chez Nos celui-ci. J'adore l'odeur de pamplemousse. En fait l'odeur de pamplemousse c'est une odeur que j'adore pour le matin. Je trouve que ça réveille, ça vous donne un coup de pète. C'est celui-ci, je serais susceptible de le racheter parce que je l'adore. Ensuite, de la marque Léa Nature, Lift Argan, la brume lactée hydratante, fleur d'orient, hydrate et apaise, je l'avais eu chez Nos également. Et ben ça, franchement, j'aime pas du tout et ça me donne un côté très poisseux à la peau. Ça me démange même limite, donc je l'ai utilisé 3 fois et j'ai arrêté et il va à la poubelle parce que j'aime pas du tout. Je sais pas si c'est le produit qui est plus bon ou si quoi, mais ça fait un effet bizarre. Ensuite j'ai un soin spray nutritif de la marque Bloom. Ça c'était par Influence for Brain, je crois que je l'avais eu. C'est la marque Bloom. Donc c'était le Glowy pour cheveux secs, un soin spray. Franchement je l'ai utilisé tout l'été dernier, j'aimais beaucoup. Là je l'ai réutilisé pour le terminer. Je trouve que ça vous donne un coup de peps aux cheveux, ça vous les réhydrate et tout. Donc il est vraiment bien, donc ça je serais susceptible de racheter aussi. Mais j'ai tellement de produits que je reçois que voilà voilà. Deux petits masques que j'ai utilisés récemment dans un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, j'essaie de vous le remettre là dans le coin. Donc c'était des masques de la marque Diadermine. Il y avait le masque alors le premier que j'ai fait c'était celui-ci. C'est le masque hydratant express 1 minute. Donc ça c'était hyper cool, franchement je les aime beaucoup. Ça sent bon, il y a vraiment ce qu'il faut de produit à l'intérieur. Ça vous hydrate vraiment la peau. J'ai franchement aimé ma peau après ces masques là Je les trouvais vraiment génial. Donc ça je rachèterai sans souci. Et j'avais essayé également après un anniversaire très fêté on va dire, d'un de nos amis, le masque frais lendemain difficile. Vous le mettez au frigo, vous l'appliquez sur votre peau et c'est juste du bonheur. Ça vous retend la peau, ça vous redonne un coup de fouet. Et franchement ces deux petits masques là, je vous les conseille largement. J'en ai encore un tester, je vous en parlerai prochainement, mais franchement ils sont géniaux. Ensuite un produit, ça c'est mon chouchou, j'arrête pas de vous en parler, vous le connaissez, c'est le mix intensif peau sèche Chica, les réparations avancées favorise une réparation rapide, corrige écaille, démasquation, touche et rêche. S'il y a du panthénol puis de l'urée à l'intérieur, ce truc il est génial. Moi j'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un à côté de ma table de nuit. Voilà, j'adore cette crème, j'en mets partout, sur les jambes, sur les bras, sur la voilà, si vous avez des petites démangeaisons ou des choses comme ça sur la peau, ce truc il est parfait. Encore un shampoing. Est-ce que j'ai l'après-shampoing ou pas? Non. Le shampoing kératine oil shampoo comme ceci de la marque OGX. Pareil, je l'avais reçu il y a très longtemps. Franchement, il est bien. Mais je trouve qu'il alourdit mes cheveux et je ne rachèterai pas. Voilà. Encore une mousse de douche, cette fois-ci c'est la marque Dove, la mousse de douche sur gras, l'huile de coco, nutrition intense, 24 heures de douceur, douche et rasage, ils mettent, c'est celle-ci. Il y en a deux ou trois de cette gamme-là de mousse de douche de chez Dove. Franchement, celle-ci je l'ai beaucoup beaucoup aimée, j'ai bien aimé son odeur, je trouve qu'elle était plutôt sympa. Au niveau de la mousse, c'est une vraie mousse, comme une vraie mousse que vous mettez sur la peau. C'est hyper doux, c'est hyper agréable, ça sent très bon, l'odeur reste sur la peau, ça je rachèterai sans problème. Encore un gel douche de chez Yves Rocher. J'en ai fini des gels douches. C'est le citron basilic bain douche énergisant comme ceci. Ça sent divinement bon, moi j'adore les odeurs d'agrumes le matin. Donc ça pareil je rachèterai sans problème. Des déodorants. Deux déodorants de la marque Nivea en pocket, sensation satinée, sèche rapidement, 48 heures. Ceux-là je les adore, ils sont vraiment géniaux. Et il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus de ceux-là. Mais j'en ai une... J'ai pas mal de déodorants en stock, donc je vais pas racheter ceux-là tout de suite. Mais franchement, ceux-là, je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment bien. Un dentifrice, le Sensodyne Réparé Protège. Vous savez, c'est mon chouchou, je l'adore. Si vous avez des soucis au niveau des dents, si vous avez, vous savez, des petites douleurs au niveau des dents et tout ça, le Sensodyne Réparé Protège, c'est le dentifrice qu'il vous faut. Ensuite, mon concentré hydratation peau sensible très déshydratée Hydrabio Sérum de chez Bioderma. Ça c'est un sérum qui est vraiment vraiment génial, je l'ai adoré. Je l'avais reçu par Octolie celui-ci avec la crème de jour et la crème de nuit. Ben, franchement j'ai adoré l'Hydrabio Sérum. Actuellement j'en utilise un autre qui est de chez Aven, mais je l'aime moins bien. Je pense que je rachèterai celui-ci en sérum hydratant parce qu'il est vraiment cool.
Ensuite, je mets à la poubelle parce qu'elle est quasiment finie et ça fait 2 ans qu'elle est ouverte, donc il y a un moment il faut faire des choix. C'est la Visibly Clear, soin hydratant non gras, pamplemousse rose, hydrate et aide à réduire les imperfections. Alors moi je l'ai beaucoup utilisée pendant quelques années parce que je trouvais que c'était vraiment top. J'en avais toujours une en stock parce que je trouvais que quand j'avais des petites imperfections, des boutons et tout ça, en ce moment des imperfections sur ma peau, j'en ai beaucoup moins, donc je trouve que c'est plus utile et là il doit en rester juste un petit fond, donc je la mets à la poubelle. Ensuite, j'ai un gommage tendre Ice Pure de chez Polar au coton arctique. Ce truc est juste une tuerie. Franchement, ce gommage est vraiment très bien pour le visage. Il est très doux, il est très agréable. Il est doux sans être trop doux en fait, donc ça j'aime bien. Il est très agréable, ça je rachèterai sans problème aussi, malgré que les produits Polar sont un poil chers. Mais c'est un très bon gommage. Un produit pour les yeux de chez Sanoflore, Regard Hypnotica concentré botanique restructurant, ça j'aime pas du tout. Franchement les produits Sanoflore j'en ai testé beaucoup et je ne les aime pas du tout. Beaucoup de monde adore les produits Sanoflore mais sur ma peau ça fait un effet, ma peau accepte pas du tout les produits Sanoflore. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc dedans qui elle aime pas, mais ça j'aime pas et je trouvais que ça m'a séché le contour des yeux plutôt que de le remettre comme il faut. Des cotons à démaquiller de la marque Label, les Maxi Oval Duo comme ceci. Je rachète toujours ceux-là, donc ils sont très bien. Ça se finit, ça se finit. Un pchit magique de chez Garantia. Donc c'est le micro peeling sans grain, action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre peau et agit en 30 secondes. Ça j'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup. J'utilise pas au quotidien parce que ça agresse un petit peu la peau quand même. Mais ça quand vous avez une peau qui est quand même assez, mixte et tout ça, c'est un très bon produit, une peau grasse, ça vous aide vraiment à réguler un petit peu tout ça et franchement ça je rachèterai sans souci également. Et voilà, j'en ai fini, le reste c'est des échantillons qui sont achetés parce qu'ils sont dans mon placard depuis des mois et des mois et des années et des années et que j'ai fait du tri et que voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ou détesté un des produits dont j'ai parlé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si certains produits vous ont fait des réactions, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, ça peut aider certaines personnes. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !